Bon les amigos, est-ce qu'on est ready? Moi je dirais que oui. Ouais. Waouh. La bronchite. Merci tasse de café pour le 14e mois. Allez les amis! Let's go! Pour ceux qui auraient raté à tout hasard les précédents streams sur Hogwarts Legacy, sachez que tous les replays sont disponibles gratuitement sur YouTube. Pour avoir directement le lien, vous faites un petit point d'exclamation replay. Voilà, les modos sont beaucoup trop rapides. Et puis c'est parti! D'ailleurs, puisqu'on y est, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas posté le replay d'hier. Du coup, je vais le faire maintenant. Enfin, je vous avais pas posté. Ah si, allez. Hop. Parfait. Public, publié. Nickel. Donc, le replay d'hier, pour ceux qui l'ont raté, vient d'être posté. Tac. Donc, il n'y a pas un seul live de Hogwarts Legacy que je n'ai pas posté sur ma chaîne. Ça, vous le savez. Voilà. Bon. Où est-ce qu'on en était, les amis? On a lâché avant-hier. Quête. Hop. Localisée sur la carte. Boum. Est-ce que j'ai un? J'ai pas de feu de cheminette. Oula! Bah, c'est très loin. C'est toute une partie que j'ai pas encore explorée. Ça y est, le replay est posté. Le replay d'hier. Alors, bah, effectivement, là, je suis vraiment pas à côté. Je suis même très très loin. Nous en dis plus sur Kick. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, il y a une nouvelle plateforme de streaming qui vient de se lancer. Enfin, qui vient de se lancer. Qui s'est lancée il y a quelques temps. Je crois que c'était un mois, un bail comme ça, si j'ai pas dit. La seule différence entre Kick et Twitch, c'est que pour le coup, ça concerne surtout les créateurs, en fait. Et il y a un petit peu plus de permissivité, je sais même pas si ça se dit de permission, en tout cas, sur Kick que sur Twitch. Ah ouais, je peux pas passer par là. Ce qui fait que du coup, ça laisse un peu plus de liberté aux streamers. Et en vrai, je pense live une fois de temps en temps là-bas. Sûrement des streams que je fais pas forcément ici. Genre des réacs ou ce genre de choses. Alors, est-ce que je passe bien par le bon endroit? En fait, c'est là que je veux aller. Ce sera plus simple. Hop! Est-ce que je peux suivre ça? Le feu de cheminette que j'ai mis, il est là-bas. Qu'est-ce que tu entends par permission? Ben, sur les jeux auxquels tu peux jouer par rapport à ceux que tu as sur Twitch. Premier exemple. Pourquoi est-ce que je galère à aller là-bas? Ouais, le pseudo, c'est toujours NJ Phoenix, vraiment, ça n'a pas changé. Par contre, je comprends pas du tout comment je peux faire. Ah, est-ce que je peux passer par ici, éventuellement? J'essaie de comprendre comment aller de l'autre côté, mais j'ai l'impression que c'est bloqué. Retrouver Sébastien près de la côte. Pourquoi est-ce que je peux pas aller... Merci, Eléa, pour ton 10e mois. Est-ce que je peux peut-être y aller? Je devrais regarder ça de plus près. Attends, par où? Par ici peut-être? Ah, peut-être que c'était ça. Ouais, ah non, c'est pas le bombarda. Et je dois pouvoir aller là, comment faire? Rébellion. Très bizarre. Ou alors j'ai juste à suivre... Je vais juste suivre le chemin. Peut-être que ça va me dire par où je dois passer, mais c'est quand même très bizarre.
J'ai vraiment l'impression qu'il me fait passer par un endroit... Ah bah non, c'est bien ça. Je dois donc y aller à pied, visiblement. Je trouve un peu naze. Ah, mais d'accord, donc en fait, tu ne vas pas si vite, toi. C'est parti. Oui, bah c'est parti, vas-y, tranquille. Ah oui, mais dès que je suis plus au sol, il me casse les... Hein ? Misère. Allez, descends ! Descends ! Sale bête ! Descends ! Ah ! Je déteste cette hippogriffe ! Allez, hop. Oh waouh, qu'est-ce que c'est chiant. Oh merde. Ah, c'est un troll forti... Non. Ah, je les avais pas vus. Wouh. Tu me vois plus. Il me saoule ces trolls là. J'ai l'impression qu'ils sont increvables. Ouch. Oh mince! Alors là, par contre, ça craint de ouf parce que j'ai plus de potion de. Et si je les esquivais, genre, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je les esquive au lieu de les taper? Calme, Michel. C'est quoi, c'est? C'est calme. Trop calme, je trouve. Expérience. Ouais, je peux me le faire. Derrière moi? Il est passé où le bougre? Trop lent. Eh, le descendo il est pas passé. J'adore ce sort. Oh, ça lui fait rien du tout par contre quand je fais ça. Oh mais t'étais où toi? Y'en a vraiment pas trop chez leur daronne. Hein. Comment ça c'est le même let's play sur WoW mais... Oh, mais... Il prend pas mon Levioso lui. Oh, ils sont longs à tuer, j'en ai marre. Oh là 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 là. Ok. Ah, encore. Où ça? Où ça? Où êtes-vous? Ranrock nous unira. Expelliarmus, Leviosa. Descendo.
Bombarda. Allez. Le Flutendo ne sert à rien en combat. Je sais même pas pourquoi je l'ai. Hop. Ah, et qui c'est la débile qui n'a toujours pas vidé ses sacs? Eh bien, c'est moi! C'est tout à fait moi, les amis! C'est encore moi! C'est un délire, ça. Ah, on dirait que je suis sur WoW. Tout pareil. J'avoue que le gel, je l'ai complètement enlevé. Et le Diffindo n'était pas non plus dans ma... Le Diffindo n'était pas dans... Je vais quand même mettre un... Ouais, je vais quand même me laisser le reste au momentum. Ok. Bon. Allons-y. On continue. Qui a déjà terminé ici le jeu, les amis? Ah oui, en effet. C'est un très bon combo, je le valide. Les sortilèges ne m'atteignent pas. Je ne m'arrête pas de faire ça. Est-ce que l'autre je l'ai fini ou pas? J'avoue, c'est un très très bon combo et c'est vrai que si en plus de ça, derrière j'enchaîne avec le bombarda, ça tabasse! Merci pour vos conseils les amis. Attendez, je prends un peu de tomate mozza. 100% entre arc. Ah ouais. Pour moi, la meilleure manière d'utiliser Incendio correctement, c'est d'utiliser Axio avant pour l'amener à toi, parce que l'Incendio est encore un sort court distance, c'est vrai. C'est vrai, vous avez 100% raison. Let's go. Waouh, sorry, mais je suis tellement malade. Waouh, je vais crever. Oh putain, j'en peux plus tousser là. Waouh. Et ça suffit. Oh punaise. Alors. La boussole ancienne. Malheureusement, le fait que cette boussole ait été perdue signifie que le Molduk à qui elle appartenait doit sûrement errer à travers le pays de Galles. Rébellion. Y a rien là? Non. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop tard maintenant pour faire des streams sur Hogwarts Legacy, les gars? Est-ce que tout le monde l'a pas fini depuis tellement longtemps?
que du coup ça sert à rien que je les fasse. Enfin, que je termine en off quoi. Wow, un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Voir si c'est un Axio et un Incendio. Protego. Fort. Extrêmement fort par contre. Faut vraiment que je refasse des potions, c'est une vraie catastrophe. Levioso Defendo, alors le combo Glacius Defendo ou Levioso Defendo, c'est max dégâts. Bah je vais tester plusieurs trucs. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Là-bas c'est pour le balai, mais je le ferai dans un peu longtemps. Hop. Non mais de toute façon je vais à minima terminer la quête principale on va dire avec vous. Et voilà quoi. Le reste, je jouerai à mes heures perdues. Enfin, mes heures perdues, pas trop, parce qu'avec les nouvelles îles sur World of Warcraft, si vous voulez, mon temps est bien occupé. Oh là là, mais ça me saoule que mes sacs soient si pleins. Le problème, c'est que j'aurais dû le faire avant de partir parce que maintenant c'est trop tard. Allez, c'est pas grave, on va continuer la quête. Hop! Toutes les épreuves de Merlin, c'est un peu une purge. En vrai, j'en ai fait vraiment pas mal, je crois déjà. Hors stream, hein, j'entends. Après, tu sais, entre Narc, regarde, moi j'adore les HF sur WoW, donc. Et ouais, je pense que je vais peut-être faire un aller-retour en effet, parce que là, c'est. C'est un peu une galère. C'est dommage d'avoir autant dans le sac et de pas. C'est la première fois que je te vois jouer à Hogwarts Legacy et ça se voit que t'as un background de gameuse, hahaha. Pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas! Pourquoi ? Y'a pas un feu de cheminette là ? Oui mais clairement entre Narc, c'est clairement ma cam, c'est d'office sûr que hors stream je vais me le finir le jeu. C'est sûr et certain. Parce qu'en vrai, c'est un peu horrible à dire mais la quête principale c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus dans le jeu, c'est plutôt tous les collectibles et tout le reste à faire. Je caresse un chat et ouais et alors ? Et alors ? Allez, on va aller chercher ça. Allô, Mora. Allô, Mora. Au premier. Ding. Ding. Incendio. Ok. Un dernier. Comment ça? Ah. Des sous.
punaise, ça m'énerve. Le truc, non. J'ai pas... Par contre, c'est mieux ça ou c'est pas mieux? Non, il faut vraiment, vraiment... Oh là là, misère, il faut vraiment que j'aille vider mes sacs. Hein. Un délire, là. Ok. Voilà. Je fouille, j'espère que c'est mieux. Ah, ben voilà. J'ai récupéré un truc mieux. C'est quand même pas mal, ça, pour une fois. Depuis tout à l'heure, je récupère que des trucs nuls. Oh. Bah le bombarda, oui, il sert à rien là. Hop, hop. Viens, viens avec moi. Viens. Ah oui, non, je vais peut-être pas mettre un levier feu. En fait, je vais faire un axio, ce sera plus simple. C'est bon, tu peux lâcher. Wingardium Leviosa. Par où je monte? Là? Non. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un délire où genre je peux juste faire ça des fois. Ah, là je peux pas brain. Quoique... Hop. Pardon, excusez-moi. Moi, quand j'ai la flemme... Voilà. But, je sais qu'il en a, il y en a un en dessous aussi, il faut juste que j'arrive à descendre le chercher. Ah, attends. Je peux pas le récupérer là, comme ça. Il n'y a pas assez de place pour appeler votre monture. Il y a besoin de combien de 10 mètres carrés, 32 mètres carrés pour appeler un balai? Non mais là j'en viens, cocotte. Attends, c'est là que je dois aller. Ouais. Ah, c'est chiant. Bon là par contre je suis en train de galérer beaucoup plus que ce que je devrais. Sachant que je veux juste aller là. Confringo. Incendio. Confringo. Il est où mon bombarda? Je l'ai perdu? Ah, je l'ai confondu avec le Confringo. Je vais mettre plutôt le bombarda. Bombarda. Et non! Ça ne marche pas. On va retenter. J'adore comment je pousse les livres comme ça. Vraiment, mais quelle insolence. Quelle insolence, cette dame. Bon. Alors. Ah, ça y est, je l'ai vu. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Calme-toi, Jacqueline. Ça passe ou pas? Ça passe pas du tout. Oh mais le PC des fois... Vraiment le PC des fois c'est chiant. Il me faut pas 4 heures pour récupérer ces trucs quand même. Et Marie. Comment ça, l'atterrissage n'est pas disponible? Oh, c'est chiant. Allez. Allez. Ok, ça c'est bon. Il m'en manque juste un.
qui est en dessous, je pense. Attends, il est de ce côté-là. Hop. Si j'arrive à remonter par là. Et que je vais encore en haut. Ah, mais c'est de l'autre côté carrément. Oh ouais. En fait, vraiment, genre, c'est chiant, mais ça aurait été tout aussi efficace si je l'avais fait directement comme c'était indiqué. Genre là, je me prends vraiment la tête. Pour pas grand-chose au final. Parce que là, moi, je voudrais juste aller ici, mais par contre, je comprends vraiment pas par où on est censé passer, en vrai, de vrai, même avec le balai, genre... Ah, oui, avec un bombarda. Voilà, comme ça. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir faire. Ce n'était donc pas si difficile. Ok. De toute façon, je dois rester à pied. Arrête de caresser les chats. Il doit bien y avoir des élèves recrutables. Montre-toi. Eh oh. Y'a quelqu'un? Si je peux. Réducto. Oh non! Oh putain! Elle m'a projeté dans le vide quoi. Elle a eu aucune pitié. Mais ça suffit, oui. Oh non, je vais quand même pas crever là-dessus. Je vais te faire péter. Eh bien, les amis, te repentir de tes erreurs. Je n'ai plus de potions, je n'ai plus rien, ça y est, je suis là. Je suis détroussée de tout vivre, de tout vivre. Je pense qu'il est... Je vais sûrement canner dans d'autres souffrances.
Bon, déjà, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer d'améliorer un tout petit peu le stuff. Parce que c'est vrai que là, on n'est pas sur quelque chose de foufou. Ça commence à devenir un peu tight. Il faut que j'aille voir, en fait, tout ce que je peux récupérer. Ces lunettes sont moches. Moche. Ouais, encore un truc que je peux pas vraiment utiliser. Alors. Axio. Incendio. Mais mec, Axio. Tiens, c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on me ferait faire un Axio ici? Axio. Protego. Axio. Et ouais, très bien. Bon, j'ai pas la réponse à cette question. Allez, on y va. Bonsoir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci pour quoi ? Rien du tout. Allons-y. C'est très très chiant d'aller récupérer cette quête, je trouve. C'est loin, c'est chiant, c'est long. Oh, je ne dirais pas non à un ragoût de champignons. Alors... Le truc c'est que j'ai un peu peur de m'en prendre à eux maintenant parce que j'ai tellement... Voilà. Torturer un ennemi en feu, ah oui. Putain mais attends, mais tout ça tu dois le faire à pied, c'est pas vrai, genre j'ai l'impression qu'il est de l'autre côté du truc quoi. Est-ce que maintenant je peux peut-être... Tu ne m'arrêteras pas. Ouais, en fait, il fallait que je passe par l'endroit... Oh, enfin, doux Jésus. Je viens d'utiliser ma dernière potion comme ça, pour zéro raison. Bravo, Marie. Chapeau l'artiste. Cette côte n'a rien pour elle. J'ai reçu ton hibou. Ces lunettes, c'est trop. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte. Semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Elle fait pas sérieuse. Une gardienne nommée Niamh Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement. Ah oui, toi. J'avais même pas changé la catégorie. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder plutôt, est-ce que tu peux le faire? Tu dois réussir une épreuve. Ce n'est Attends. Pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Ah oui, merci. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Oh, mais tu vas te détendre! Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ah, il est énervé. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas vraiment le choix. Essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Oh, vite, je suis en train de manger des tomates, tu veux te calmer, s'il te plaît? Attention, j'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin, juste devant nous.
Je me demande pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur. Ah, tu veux découvrir mon fameux humour. Je sais pas si je vais en faire sur Hogwarts Legacy, enfin quoi que. Il commence à être pénible ce petit Sébastien, un peu dans Doloris, ça va le calmer. C'est... En fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas justement d'option de rendre ton personnage méchant. Ah, mais si tu ne manges pas autant, tu peux aller plus loin. Allez. Tu vas souffrir. Waouh! Mais! Commencez à tous me saouler, vous aussi, hein. C'est bon, ils sont tous morts. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien? Rien! Il a regardé mon cul! C'est dingue, ça! Sébastien, j'ai envie de le frapper. Est-ce que c'est un truc vert moche? Oui. Hop, voilà. À part nous saouler avec sa sœur, là. Non, il fait rien, il fait rien. Il sert à rien. Ah, il y en a encore. Ah, et je l'ai entendu, il a lancé un confringo. Merci frère, hein, pour tes conseils. La prochaine fois, je t'appelle. Le mérite le même sort. Bon travail. Bah oui, bon travail, t'as rien fait. Putain. Des sombrales devant. On dit que c'est un mauvais présage. Mais non. Tout le monde ne le pense pas. Voilà, c'est bien ce que je disais. Moi, j'aime bien les sombrales. Je le sais bien. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Je préfère faire la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Elle est saoulée. Ça se voit qu'elle est saoulée. Il saoule. Fatigue, Sébastien. Remonter la route sinueuse. Vas-y. Arrête de me parler, Sébastien. Arrête. Incendio. On n'est pas proche, toi et moi. Arrête de me parler. J'aime pas. Me suis pas, je vais aller regarder les étoiles. Laisse-moi. Ah, je suis détendue dans la voix de l'autre abruti. Alors. Là, le grand chien. J'ai jamais vu en vrai cette constellation. Je la connais, mais je l'ai jamais vue. Je vais regarder, il court contre un caillou, quoi. Merci, hein. C'est tellement utile. Ok, bon. Tuez tous les intrus. Ah. Attends, nous devons convenir d'un plan. Non. On fait comme d'habitude. On fait comme d'habitude, tu ne fais rien, d'accord? Ah mais lui, il me fait mal. J'arrive, je me prends trop tard. Je vais sûrement crever. Ah, il y en a d'autres là-bas. Non. Bon, je vous rappelle que j'ai plus de potions, donc à mon avis là c'est mort les gars. Est-ce que je suis en train de faire du clic panique? Eh bien, je pense qu'on peut dire ça.
un petit coup de bombarda. Là, je peux plus rien récupérer, c'est super. Tiens, Sébastien, mais arrête, arrête, Sébastien. En fait, je viens de me prendre un coup, mais gratos là. Sébastien, arrête de me suivre en fait. Aide-moi. Mais j'ai zéro vie, j'ai plus de potions. Le gars, viens là toi. Prends la tête là. Oh. Voilà. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mais qu'est-ce que... J'ai envie de le tuer. Qu'est-ce qui t'a pris? Oui. J'imaginais des gobelins morts. Oui. Ça aurait pu nous coûter la vie. Punaise. Mais on a survécu. Non. J'ai failli crever. Les fidèles de Ranrok ont suivi ce chemin. Continuons d'avancer. Oh. Pas vrai d'être aussi bête. Y'a pas près d'ici une petite cheminette là? Ah merde, bah si. Attends. Actuellement indisponible. Je la définis comme étape, il va me la donner ou pas? Parce que là vraiment je suis en train de rater trop de trucs sur le chemin, ça m'énerve. La vengeance de Ranrok sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin nous appartient. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin? Ces notions de propriété sont ridicules. Après cette journée termine. Ah, y a quelqu'un? Il a su. Tous les fidèles de Ranrok méritent. Pas me donner une petite potion, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, tous mes équipements sont pleins, c'est terrible. Après, normalement, si juste ici, il y a un feu de cheminette, il est là-haut. Bonne soirée. Je suis d'accord. Un bon sorcier. Putain, il est trop loin. Aïe. Déjà, pourquoi je les vois pas? Mais... Pourquoi je peux débloquer le feu de cheminette? Oh yes! Là, je me casse. Adieu. C'est bon. Parfait. Regardez-moi cette précision. Alors, eh ben écoutez, on va s'en aller. On va aller directement dans la région ici. Hop, on va aller à Préolar. Préolar. Comment ça, actuellement indisponible? Je te fous de ma gueule. Non. Attends, je peux aller dans aucun feu de cheminette là maintenant? C'est une blague? Maintenant je peux. Ah, normalement c'est bon. Non, toujours pas. C'est lourd. Ouais.
Bon bah... Et là, je peux toujours pas ? En fait, je pense que tant que j'ai la quête de Up... Non, je peux rien faire, en fait. Non. Tant que la quête est Up, ici, là, vaincre les gardes... Marie, allez, prends-le. Je n'ai eu aucun mal à dire. Là, si je lui donne ça, ça va rien faire. Il en reste un. Sébastien, attends. Attendre ? Pourquoi ? Oh, pourquoi tant de prudence ? Oh, qu'est-ce qui m'agace ? Écoute-moi, je sais que tu es en colère, que tu es contrarié, mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit... Ah, ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrok. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose, trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrok que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrok est au courant de l'existence des gardiens et fouille tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. De toute façon, je savais bien qu'on ne pouvait pas faire confiance au Serpentard. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrok en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance Merci, de trouver bonne la dernière âme, pièce du triptyque. Je suis d'accord. Ouais, je ne peux toujours pas utiliser le feu de cheminette, donc... C'est très très énervant. Va être un peu embêté, mais bon, je vais pas avoir le choix parce que je sais aussi que, à mon avis, je vais trouver pas mal de choses en fait dans la grotte et je peux pas me permettre de pas les prendre parce que s'ils sont juste meilleurs que ce que j'ai, allez hop, c'est parti. Vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait de story pour dire qu'on était en live. Je suis la pire. Attendez. Merci Orion pour ton prime. Alors... Voilà. Ok, c'est parti. Je joue sur PC. Si vous vous demandez, c'est mon WhatsApp qui vient de sonner. Pas le vôtre. Il y a des gens qui utilisent WhatsApp ici ou vous utilisez uniquement genre les SMS normaux. Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas utiliser autre chose que WhatsApp. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Moi vraiment les amis c'est grave hein. Je n'utilise vraiment que WhatsApp. Alors voyons
En fait, ce qui est un petit peu ennuyant, moi, ce qui me stresse un peu, c'est que là, dans le jeu, c'est pas tant la question de l'équipement et tout. C'est juste qu'en fait, j'ai plus de potions. Oh shit. Ouais, ça va être chaud, je pense que là je vais mourir. Ah dommage. En fait là c'est trop chaud parce que du coup je n'ai plus de potions, donc là la moindre erreur elle est 100% fatale. J'ai une vie, enfin j'ai zéro vie et aucune potion. Donc là c'est un peu la cata. Là c'est un petit peu genre je me fais toucher deux fois, c'est dead en fait. Donc c'est tendu. Jusqu'ici tout va bien. On va voir un petit peu comment on peut s'en sortir, mais des araignées, tout est normal. On va essayer, on va dire, d'utiliser toutes les ressources qui sont à ma portée pour pouvoir tuer toutes ces araignées. Ok. On va essayer de faire ça doucement. C'est très énervant qu'il n'y ait plus... ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai pas d'autre choix que de faire un perfect. Donc là, je vais quand même taper un Andoloris. Là, je vais mettre hop, un Repulso. Parce que là, même si je me mets genre... Je pense pas que le fait que je me cache fasse quoi que ce soit. Ah oui, j'ai aussi sinon... c'est quoi encore ça? Qui lance de l'acide. Ouais, on va mettre là. On va mettre ça que je pourrais mettre en tab. Ok. Bon, c'est toujours mieux que rien. On va tenter. Bonsoir, bonsoir. Allez. Si je désactive avec ça, déjà, on va tenter. Et hop. On va tenter tout de suite ça. Hop, ça c'est fait. Hop, là on continue. Senjo, on se casse. On lance en tab. Hop. Par contre, le tab ne se lance pas. Why? 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 On dirait qu'elle se lance pas. Pourquoi? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, là, y a un petit souci, là. J'ai un petit souci. Je suis un peu handicapée, là. Y a un truc. Qu'est-ce que j'ai fait qui me va pas? Ok, non, ça va pas le faire. Ouais, dommage. Il s'est passé un truc avec mon tab et je sais pas pourquoi il est pas parti. C'est très très chelou. Comment ça, vous n'avez plus les notifs? C'est pour ça que... Est-ce qu'on est sûr qu'on peut pas retourner au village? Ah, on peut vraiment pas là, ça craint de ouf. Par contre, je peux peut-être ajouter des talents. Un point de talent disponible. Si, mère, frérot. Mais là, en fait, les gars, c'est pas du tout une question de manette, hein, malheureusement. C'est que là, on est bien sur un vrai problème de je n'ai plus qu'une vie. Je n'ai plus de potions parce que je me suis pas préparée avant de partir. Donc j'ai globalement plus rien. Et donc là, si je fais pas un perfect, bah je die en fait. On va mettre un sort de Confringo. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Andoloris. On va juste faire ça, ça. Ok, on va plutôt faire... On va plutôt faire comme ça. Donc tac, 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 tac. Ok. Bon, du coup. Ça, le Areto Momentum va pas me servir à grand chose en vrai. J'aime mieux que je recale. Ah. Ok, hop, hop. Hop, et alors, dans ce cas, on fait comme ça. Hop, voilà. Nickel. Donc là, du coup, on va faire ça. Mais le truc, c'est que si je...
écrit et là ça la prend. Pourquoi tout à l'heure ça l'a pas... C'est trop bizarre. Jusqu'ici, tout va bien. Étrange. Charmant. Allez, bah écoutez, on va faire une tentative. Hein. De toute façon, là c'est... Les araignées. Là c'est du... Là c'est du zéro... Là c'est du zéro erreur. Là c'est... Ça veut dire que là c'est même pas... C'est même pas... Même pas j'ai le droit qu'elle me touche les araignées, genre. Tiens, prends ça. Ok. Hop. Le truc, c'est que je suis pas sûre que la... Ta mère, toi, qu'est-ce qu'elle a? Elle veut quoi, cette connasse? Peut-être que si je l'ai sous un autre angle, ça ira peut-être mieux en vrai, si je suis un peu plus loin. Le problème, c'est que je suis tellement loin des fois. Casse-toi! Pourquoi elle prend pas mon Andoloris? Prends, prends, connasse! Vas-y, mais meurs, meurs, meurs! La suce est partie dans le vent, j'ai grave les boules. Elle est où? Je la vois plus. Elle est quelque part. Je l'entends mais je la vois pas. Non, c'est bon. Is she dead? Waouh. Waouh. Non. Je la vois encore sur la map. Je crois que elle est mourue. Eh ben punaise. Ce coffre était à deux doigts de tomber. Oui. Non. Je pense qu'il faudrait au moins 3. Hop, mais il fait de l'humour en fait, si j'avais pas entendu. Il a fait de l'humour le gars. Trop marrant. Ça sauvegarde automatiquement. Du coup par contre je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous ayez pas reçu les notifications Twitch. Ça arrive, mais justement pour éviter que ça arrive, c'est ce que je conseille à chaque fois. Et c'est pour ça que, bon là j'ai zappé de le mettre sur Insta parce qu'honnêtement j'y pense pas à chaque fois. Il y a encore des araignées. Mais n'oubliez pas en fait d'aller suivre, le Discord en fait. Parce que sur le Discord, globalement, vous pouvez pas le rater. Parce que à chaque fois. Non ! À chaque fois que je lance un live, je fais une notification. Voilà, tout ça pour dire, j'ai été totalement déconcentrée là, mais tout ça pour dire de venir nous suivre sur Discord. Voilà, comme ça vous pourrez plus dire que vous saviez pas. J'ai pas Discord. Ah bah il y a toujours des gens qui ont pas Discord. Merde, il y a quelqu'un qui est pris là-haut dans une toile. Je peux pas l'aider? J'ai un peu de la peine. Non, je peux rien faire. Ah, enfin. Je peux rien faire, je dois le laisser là-haut. Ah, enfin, c'est terrible. Enfin là c'est normal, mais bon, vu que j'ai pas le droit de mourir, si tu veux, je pense pas que ça soit si normal que ça la difficulté là. Pourquoi un escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. Hello.
Incendio. Alors. Rebellion. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Confingo. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Miam miam. Super les araignées. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux mon avis. C'est toujours la même histoire. Ah ouais, ça va être chaud. Absolument pas le droit à l'erreur là, c'est chaud les gars, c'est chaud. Encore une fois, ma souris est sortie de mon écran. Attendez, il me faut une micro-pause parce que là, du coup, il vient de se passer une dinguerie. Oh, waouh, attendez. Attendez, les amis, parce que là, 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 il s'est passé une dinguerie. Fenêtre, mec, fenêtre. Laisse-moi la fenêtre parce que là je... Hop. Ouais, là je suis bien. Là je suis bien. Ok. Là c'est bon, je suis bien. Allez, on reprend. Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert Sébastien? Vraiment, je vous avoue que là, je suis vraiment en train de douter de ses capacités. Merde, de douter de ses capacités. Ah, oh, waouh. Eh bien, tout ça sans perdre une seule vie, vraiment. Il y en a encore une là-haut. Mais descends ma puce, hein, là, de toute façon, tu vas crever. Donc. Ok. Descends. C'est pas t'assimi, non? C'est dur pour l'araignée. Alright. Alors, parfait ça. Ok. Attends, hop, on va faire ça. Incendio. On va déjà aller explorer. Ah, une potion. Il était temps. Depuis tout à l'heure, j'étais en mode galérienne. Revelio. Non. Oh, là, là, là. Hop. Et qu'est-ce que j'ai vu là encore? Là, c'est des choses. Voilà. J'entends encore une araignée. Enfin, j'entends encore du bruit, mais je pense qu'elle est là-haut. Mais c'est... C'est la même. Elle est chiante, elle. Ah,
Yes, hop. Incendio. Elles sont bloquées, on dirait. Est-ce qu'il les bloque ? Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions chercher d'autres runes. J'ai déjà vu des symboles runiques similaires. Dépêchons-nous de sortir d'ici. Oh. Ah, c'est Isadora. Sébastien, il y a un extrait de journal. Essayons d'en trouver d'autres. Elle aurait quand même pu garder tous ses textes au même endroit. Hop. Vaincre le troll. Oh non, encore un. Non. Oh. Ah. C'est dur. Il y avait une potion, je l'ai pas vue. Tant pis pour moi. J'en ai une mais pas deux. Alors déjà, mission numéro 1. Moi je me concentre sur une seule chose à la fois et je vais pas pouvoir. Et ma souris est encore sortie de l'écran. Des trucs chelous, je n'arrive pas à faire ce que je veux, c'est super relou. Aïe. 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 Yes, bon, c'est pas très grave. Je vais le refaire. En fait, ma souris est encore sortie de mon écran. C'est très pénible. C'est quand je lance le tab, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il doit y avoir un temps à faire parce que... Allez. En train de me faire je suis en train de me faire exploser la gueule là. C'est quoi ce délire là, c'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? Wesh vraiment, quand je dis wesh les gars, c'est chaud au bout de la... vraiment, quand je dis wesh, c'est que ça va pas du tout là. Ah bon, excusez-moi, mais là il y a une souris qui va partir dans 5 minutes là. Il y a une souris qui va partir dans 5 minutes. Vraiment, dans 5 minutes, elle va partir la souris. Je vous jure, elle va partir dans l'écran. Je le fais foncer sur les trucs là. Ça fait rien du tout. Genre là, il...
suis bloqué. Casse-toi. Oh là 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 là, je ne peux rien faire les amis. Ok. C'est chaud, les gars. En fait, idéalement... il faudrait que je commence par le troll. Ou les araignées. Et le troll, il tape trop fort. Merci Marine pour le 12e mois. Qu'est-ce qui se passe ? Doloris, il se lance pas sur les bons. Je voulais pas qu'il se lance sur lui, mais bon. Dans la matrice de jeu, c'est pas possible. Rien du tout hein. En Doloris c'est comme si vraiment c'est comme s'il ne s'était rien passé vraiment. Nique ta mère, franchement j'y étais presque. Là c'est très très chiant, c'est très très chiant, c'est très très chiant, c'est très chiant. Là, je galère de malade. C'est vraiment pas agréable. D'habitude, je mets pas autant de temps. Là, ça commence à devenir chiant. On va essayer de rester concentré. Mais vraiment, je galère à rester concentré, là. Ouais, désolé. Moi, quand je joue comme ça et que je me fais exploser, je deviens... extrêmement vulgaire. En fait, ce qui est injuste, c'est que je me fais vraiment attaquer, genre j'ai l'impression que j'ai quasiment aucune chance. J'ai quasiment aucune chance en fait de faire quoi que ce soit, c'est super relou. Genre je commence à faire un truc et je fais deux trucs que je suis déjà
Mais par contre, Sébastien, on est d'accord qu'il ne sert à rien. Vraiment, je pense que là, on est tous d'accord pour le dire. Waouh, waouh, waouh. Je vais te lancer un Andoloris. Je voudrais bien dégager, s'il vous plaît. Je voudrais bien dégager, merci. Mais frère! Les gars, là ça commence à être très chiant là. Là ça commence à être très très chiant. Hein. Si tu fais des esquives longues quand il veut te taper avec son morceau de bois, fais juste deux esquives 5 car son deuxième coup va te toucher à la fin de ton esquive longue. Et donc il est bugué en fait. Ah mais c'est chiant ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je me fais déglinguer. Alors que je suis pas mauvaise quoi. Ah bah, what the fuck? Attends. Ah ouais mais... Mais non, stop. Je peux pas croire. Bon par contre ça m'aide pas parce que je suis pas du tout concentrée sur les araignées mais... juste gagner du temps parce que ça me met pas à l'aise là en fait, il y a trop de trucs, je suis trop en stress. Mon protégo, frérot, le protégo, pourquoi il part pas, mon protégo? Juste pourquoi le protégo part pas, merde, ça me... Non, frère, non, non, je peux pas croire. Non, non, je peux pas croire. Pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant.
J'attends que ma vie remonte. Joli travail. C'était une boucherie. Un troll en colère pour souder une amitié. C'était une boucherie. C'était une boucherie, genre. Une boucherie, c'était dégueulasse. Mais par contre, en fait, j'ai compris qu'il était buggé, le troll. Parce que franchement, si j'avais pas compris ça, j'étais encore en train de faire mes téléportations, enfin mes esquives longues. Et je me serais fait je me serais fait éclater. Par contre, je sais pas pourquoi mon bombarda, il était pas dans le bombarda n'était pas dans ma barre de spell. Pour ça que j'étais en train d'en chier, je comprenais pas pourquoi j'avais pas... Oh non, mais toi, c'est un réparo, genre. Punaise, mais c'était compliqué, hein. Vraiment, c'est... Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas quand c'est pas propre, en fait. Réveillon. Oh, Marie. Bombarda. Marie ! Réparo. Ce n'était pas ça. Je ne te le fais pas dire. Hop. Bon, c'était vraiment le chaos. Faut débloquer la dernière barre de spell. Tout à fait. L'audace de Seb, ce n'était pas simple. Le culot de points open de Guillaume. Un extrait de journal. Isidora était ici. C'est beau. Ok, donc il y a... Réveillon. Il y a ça là-haut, mais c'est de l'autre côté, j'ai l'impression. Les vieux sauts. Alors, on va déjà aller voir là-haut. Ok, ça c'est pas mal. Rien. Là-bas par contre... Ok. Parfait ça, Marie. Nice move. Ah mais il est à bout de souffle, mais... Il est vraiment fatigué et fatigant ce mec. Waouh. Encore une barrière. Quelle nouvelle ? Cet extrait de journal est assez inquiétant. Ça ne peut pas. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Oh mais... Non, c'est vraiment un serpentard, franchement, je peux pas me le piffrer, vraiment, je le déteste. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Mais le triptyque nous a menés jusqu'ici. Wouhou ! Bon appétit. Ouais, il doit y en avoir un troisième quelque part. Réveillon. Hop.
Bisous. Où est le troisième? Marie. Bon bah voilà, de toute façon j'en ai plus comme ça, c'est réglé. Un autre symbole. Lémisclic. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique maintenant. Il doit y en avoir un troisième. Ah bah il est là. Hop. Ah ouais, ok. Ouh, salut, bienvenue. Ça va, merci. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Isidora, c'est ça. Grâce aux souvenirs que j'ai vus, je sais que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Les dernières toiles du triptyque, on a réussi. Ah. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Grâce aux souvenirs que j'ai vus, je sais que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, Revelio. Plus clair. Alors... Parfait. Oh punaise, vous savez de quoi j'ai hâte là, d'aller à Préolard et de refaire le stock, de tout vendre, de tout réparer, d'avoir des nouveaux trucs et tout là parce que... Oh, j'ai l'impression que vraiment je fais ça mais à l'arrache, vraiment à l'arrache. Quand je pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre... Revelio. Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Ah, les lunettes, c'est pour me tuer. Oh ! Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir. Ah ! Isidora. Je vais devoir mettre mon casque tellement cher au vent. C'est très drôle. Père, je ne pourrais pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Merci. Oh. Ça a marché ? Oui, ça a marché. Évidemment, c'est de l'argent gobelin.
Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. Toi ! De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Je sens que ça va partir en cours son histoire. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie ? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait? Non, pas les souvenirs, le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Elle est bloquée? Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui, oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie, on a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que toi, tu pouvais faire. Sébastien, je le sens pas. Je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu la prennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est une magie complexe qui peut très vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout. Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Voilà, allez, ça repart. Toujours Anne, encore, toujours Anne. Oh, il est fâché. Voilà, il fait la tête. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? Le premier truc qu'on va faire, les amis, maintenant, avant de reprendre la quête, on va aller après au lard direct. Parce que là, c'est plus possible. Oui, je prends toujours les gummies de CBD. Alors... c'est beau comme ça en hiver. Attends, est-ce que c'est là où je veux aller? Je sais jamais. Non. Vous avez pu voler? Non. Je veux toutes vos impressions. Les Kayas. Pourquoi j'ai pas le réveillé ici, c'est bizarre. Trop chelou ça. Rendez-moi ça. Attendez, faut que je regarde sur la map encore où est la boutique exacte que je veux faire, où je veux aller. Alors, c'était... C'est... Tom et Parchemin, non... Moi, je peux aller là. J'ai potion pipin. C'est tout ce que j'avais pris. Pour de vrai, promis. Alors mon casque à la base c'est un casque de studio et de radio donc oui il est croyez-moi ils n'aimeront pas beaucoup vos mais c'est pas pour une utilisation
Enfin, je dirais que c'est pas pour une utilisation quotidienne pour aller dans le métro et tout, quoi. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. On n'a pas les mêmes quêtes. Alors, on a la même trame principale, mais on n'a pas... Ah, vous savez ce que j'aurais dû faire ? On sait tous ce que j'aurais dû faire d'abord. Hop. Hop. Aller dans la salle sur demande. Eh oui. Eh oui, j'ai oublié une étape. D'ailleurs, je l'ai custom. Je sais même pas si je voulais montrer. Regardez comme elle est belle, ma salle sur demande. Chic, aimerez-vous parler ? Ah, ben voilà, il y a plein de choses là que je récupère. Donc du coup, je vais pouvoir changer tout mon équipement. Ça, c'est vraiment cool. Enfin, une bonne nouvelle. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai de better ? Ah là, ben voilà. Alors, ça, c'est nickel, du coup. On va faire déjà... On va tout augmenter. Là, j'ai rien. Là, j'ai ça. Là. Là, c'est... Et ça, pourquoi c'est... C'est bloqué. Ah, faut que je sois à niveau 30. Ok. De toute façon, c'est moins bien. Donc, je m'en fous. Ah, mince. Donc, là, normalement, c'est bien. Hop. Je crois que j'ai amélioré tout ce que je pouvais améliorer. Voilà. Hop. Ok. Là, c'est bon. Et là. Aussi. Bon, les gants, on peut les laisser comme ça, je pense. Ce que je vais changer d'apparence, c'est ça. Et je vais aussi changer ça. Voilà, les gants, je vais les laisser. Ils sont pas trop moches. Voilà. Parfait. Ah non, pas fini. Pas fini, pardon. Inventaire. Oui, ok. Là, du coup, c'est ça, mais... Hop, voilà. C'est drôle, mais moi, j'ai gardé le même look pendant toute la partie. Mais moi aussi, pour l'instant, j'ai pas changé. J'aime bien ce look-là. Voilà. Donc là, on est bien. On va aller récupérer les petites potions. Voilà. Ici, c'est pour l'amélioration, il me semble, hein. Ouais, bon ça on s'en fout un peu. Je vais aller nourrir mes petits Ils sont où ? Ce qu'il me faudrait surtout c'est la dernière ligne là, parce que ça je l'ai toujours pas et c'est vraiment pénible. Je les aime trop. C'est trop mignon. Allez, boursouffe, moi ça me fait craquer. On dirait Jelly.
Allez. Je crois qu'il m'en manque un ici. Voilà. Allez, go. Ah. J'ai clairement pas assez de potions. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il est où? Il est où? Là. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Il... Ah. Ah oui. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Oh, oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Ah oui, c'est Chick vrai. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte, et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui, Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Bon. Il faut vraiment que je crée absolument un truc de potion plus grand parce que là... C'est nimp. Non mais je les ai pas, il faut que je les achète bien sûr. Bon. Allez, encore une. Et on y va. Ça va le chat? Tout va bien? Bon, et ben reprenons. Je pense que juste avant d'aller plus loin, on va quand même retourner après au lard. On va revendre encore les affaires là. Et au passage, on va acheter le truc de parchemin. Ce sera bien. Oui, je suis malade. Je pense que j'ai chopé une mini bronchite parce que je tousse, mais ça vient pas du tout de la gorge. Ça vient de. Ça vient des bronches. Voilà. C'est vraiment pas du tout agréable. Mais genre, elle est arrivée en 2 jours, quoi. Là. Non, je me suis pas du tout préparée à l'arrivée de la bronchite, vraiment, c'est terrible. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Regardons un peu ce que nous avons. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le créasor, pas rempotage du coup, mais c'est le créasor potion et forme en forme de thé. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Allez, et tout ça, ça dégage. Bonsoir.
Voilà. Ah, ça fait du bien. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ça fait du bien. Bon. Allons-y gaiement. Du coup, maintenant qu'on est fin prêt, on va directement aller à la quête, localisée sur la carte. Oh, waouh. Ça pouvait pas être plus... Ça pouvait pas être plus près. Bon bah l'avantage c'est que je peux récupérer tout ce que j'avais pas récupéré la dernière fois. Ça c'est plutôt smart, c'est plutôt cool. Plutôt nice. Alors, hop là. Donc là c'est la... Ouais, on va pas aller par là. Par contre du coup, est-ce que je peux... pas encore remettre mon balai, donc je vais sortir. Merci, Mademoiselle Panda, pour le Prime. Hop là. Allez, cours, Forest. Plus vite. Toujours pas utilisé mon... Réveillon. Toujours pas utilisé... Mon balai. Je crois que je peux pas récupérer ça non plus. Oh, je dirais que je suis aux trois quarts en fait de la quête principale. Ouais, c'est juste que j'ai lâché le jeu assez rapidement parce que je jouais à d'autres trucs, donc j'ai pas repris pour le coup. Oh. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ok, bon. Alors, on va juste regarder quand même où c'est. Par là, et ben... Hop. Alors... J'avais pas vu le troll. Ça devrait pas être... Je me casse. Je fuis. Et fuyons.
J'arrive probablement au bout. Merci pour les follow. Bienvenue les amis. Ouais, c'était un peu Space Mountain en fait là. Par contre, il est de quel côté, lui ? Je me demande où vont ces tuyaux. C'est bien ce que je me demande, madame. Action ! Bah, Lisa, je te trouve un peu dur. C'est un premier jeu. Il n'y a pas encore eu de patch, il n'y a pas eu d'extension, il n'y a pas eu de mage. Il y a eu une mage pour corriger les bugs, mais... Moi honnêtement, je trouve cool. Oups là. C'est un jeu qui vient chercher les fans qui jouent pas trop aux jeux vidéo, vous pouvez pas faire trop compliqué et ça se voit qu'avec ton perso qui dit à vos toutes les solutions etc. Bah oui. Office. Enfin, moi perso je trouve que c'est un bon jeu j'ai pas de regrets. Peut-être que mon seul regret sur le jeu actuellement c'est le fait que ce soit pas réellement un MMORPG. Et que du coup on n'est pas la partie enfin moi j'aurais bien aimé en fait qu'on puisse jouer avec nos potes j'aurais bien aimé qu'il y ait des duels, j'aurais bien aimé que ce soit un monde ouvert quoi. Ça j'aurais bien aimé. Mais j'aurais bien aimé ça parce que c'est comme ça que j'aime jouer moi les MMO c'est mon type de jeu, c'est ça que j'aime. Donc voilà, J'aurais apprécié une partie multijoueur. Certainement. Bah, en fait, j'y ai pensé, je me suis fait la réflexion, je me suis dit est-ce qu'il y a moyen qu'ils fassent peut-être un patch en fait, je sais pas, genre pour éventuellement permettre aux joueurs, on va dire, d'avoir du multi. En fait, je me suis souvenu que je ne sais pas trop comment c'est possible parce que c'est vraiment pas, c'est pas juste un patch en fait, c'est un tout autre jeu quoi. Et les serveurs vont coûter une douille et du coup, s'ils font ça, je me dis, enfin, ouais. J'ai peur qu'à terme ça soit du coup hors de prix et. Normalement un mode coop, bah ça déjà ce serait cool. Je pense que le mode coop est plus que nécessaire sur ce genre de jeu. Je trouve ça dommage qu'il y soit pas pour l'instant. Ok, je suis juste redescendue, très bien. Là j'en viens, très bien. Travaille à Gridcon. Voyons.
bien avant. J'aime pas quand ils font ça, je les vois jamais venir. J'avais pas qu'à là, moi j'étais vraiment dans mon monde de bisounours comme d'hab. Moi j'étais en mode super chill. J'avais pas du tout compris qu'ils étaient autant. Genre j'étais en mode la 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 la. Vraiment toujours marié au pays des bisounours littéralement. Oh waouh! On va chez mon Nintendo tout de suite. Mon petit Andoloris. Allez, on se casse maintenant. Casse-toi, fou. Allez, allez. On s'en va. Encore. En fait, c'est super. Comment ça me casse les... Hein. Pas eu le temps de lâcher. Hein. Eh oh, chou, avance! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ranrock, tu as maintenant un fidèle de moi. Je ferais mieux d'allumer ces chaudières si je veux avancer. Let's go. Attends, hop. Écoutez, c'est de faire souvent la mettre en invisible. C'est vrai que j'y pense pas. J'y pense pas suffisamment. Je joue sur PC. Non, la caméra ne suit pas mes mouvements, c'est moi qui bouge là. Là, c'est moi qui bouge. Toute ma config est... Je peux faire même un point d'exclamation config, je pense que j'ai fait la commande. J'espère que je trouverai Ranrock avant Lodgok. Hop. Une autre foreuse est terminée. Le monde des sorciers va s'effondrer. Merci Capricorne pour le Prime. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Ranrock. Oh merde, il y a encore un troll. J'hésite à déjà buter le troll. Thank you.
C'était du sport. Non, c'est pas un mode, la tenue de mon perso. Eh ben, guys, putain. Je dois trouver un moyen d'arrêter cette foreuse. J'ai donné tout ce que j'avais. Hop. Démolir tous les piliers. Pour détruire la foreuse. Where is le dernier pilier? Effectivement, il me manque un pilier. Ah, il est là. Hop. Non, serre d'aigle. C'est d'ailleurs écrit dans le titre. Toi. Oula. Ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Lodgok. Tu es venu t'excuser, petit frère? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes? Mais non! C'est impossible. Tout ce temps... Tu savais. Tu savais où il était! Non, non. Est-ce que ça va? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrok. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps perdu à chercher le dernier dépôt, à chercher en vain le dernier journal de Bradport. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce. Ah. Ah bah. Avada Kedavra. Ah. Ah oui. Avada Kedavra. Carrément, ça, ça part. Ah bah il va mourir comme ça, enseveli sous les pierres. Allez hop, un petit tour de Space Mountain. Ouais, on a même pas pu le sauver. Trop bizarre. Pauvre Lodgok, mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de faire entendre raison. Ciao les nazes, chou. C'est tout à fait ça. Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. Par contre, ça craint. Hein. Ça semble mal engagé, cette histoire. Je vais demander à Fig de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrok peut... Oh, oups, mais je suis... Je suis où? Ah. Ah mais non, mais je viens de rentrer là. Ah, je suis un peu bête.
Atteindre le troll avec son propre rocher. Si je les attaque par le haut... J'ai pas touché à ton home. Mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Au moins, je sais. Alors... carte de Poudlard et par là. Tour de défense contre les forces du fatal. Ok, voilà. Twitch aussi se sont durcis face aux insultes où ils sont moins stricts que YouTube. Eh bien, je ne sais pas. Je t'avoue que j'en sais rien. Mais je pense qu'à mon avis, sur Twitch, ce serait plus difficile à repérer que sur YouTube, en fait. Parce que sur YouTube, la vidéo, avant d'être publiée, elle est quand même, en gros, on va dire, vérifiée par un algo, par des robots et tout. Mais sur Twitch, en live, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être fait. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Enfin, plus la soirée passe, plus ma voix devient grave. C'est un délire. Merci pour le raid. Oula. Mince. Ce n'est pas le bon endroit. Allô, Omora. Tiens, tiens. Rebellio. J'étais pas encore venue là. Hein. Marrant ça. Pas une demi-guise là-bas derrière. Ah non, j'ai cru que c'était une demi-guise. Hé hey. C'est qui tape comme ça. C'est tout, il y avait juste un petit... Super. Super. Ah non, il y en a un autre là. Super, une cape. Hein. Hop. Alors, je sais que je peux me TP, mais pour ce genre de raison, il y avait des choses que je n'avais pas faites, je préfère marcher. Voilà. Le château est tellement énorme. Réveillon. J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire, ainsi qu'au gardien, que Runrock sait où se trouve le dernier dépôt. Bon, je suis sûre que lui, de toute façon, c'est un troll depuis le départ, le professeur Fig. Runrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur, vous avez reçu mon hibou. Runrock est en possession des derniers journaux de Braggbor. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok et Runrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Runrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Runrock est en possession des journaux de Braggbor et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié tes Braggbor. Il tenait des journaux. Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir.
Isidora a parlé à Bragbor de la magie lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle. J'ai vu ses souvenirs. Isidora a laissé des souvenirs ? Vous savez ce qu'elle a fait ? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père, comme dans la pancine du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Bragbor. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Comment ça ? Le professeur Bakar vous rejoindra là où est sa poncine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus. Alors... Est-ce qu'elle est loin, cette salle ? Waouh ! Ah oui ! Oh, punaise ! Mais... Oh non ! C'est tellement loin ! C'est tellement loin! Bah écoutez, moi j'ai pas encore eu le coco, mais là c'est vraiment une bronchite bien sympathique. Alors, on va essayer d'être intelligent. Et on va commencer par mettre des étapes comme ça. Ouais, on va se les mettre comme ça. Parce que c'est pas normal de pas avoir tous ces feux de cheminette là. On va essayer de gagner un peu de temps parce que... C'est assez terrible là. Et en fait, la lysopaïne, ça marche que pour le mal de gorge. Moi, j'ai une bronchite. Donc j'ai pas mal à la gorge, mais je tousse des bronches, ça fait très mal. En fait, la bronchite c'est vraiment mais tellement pire que les angines. Ah ouais, non, c'est trop chiant. Oh, les bronchites c'est casse-couille. Qu'est-ce que vous mijotez ? Ah. Réveillon. Un petit chat. Ah ouais, non, franchement, les bronchites, c'est... Mais le truc, c'est que ça m'est vraiment arrivé comme ça, du jour au lendemain, genre, j'ai rien compris. Hop, tiens, tu sais pas quoi faire ? Je vais te faire une bronchite, là. Tu vas voir, ça va... Tu vas kiffer. Puis-je vous déranger un moment ? Non, me dérange pas. Allô, Mora. Et hop, un petit village à piller. Réveillio. Réveillio. Ah, une demi-guise, hein, super. Tu es à moi à présent, demi-guise. Mais non, je veux... Ah, si
j'avais le Covid, je pense que j'aurais de la fièvre et je serais couchée. Puis-je vous déranger un moment ? Elle veut me déranger, mais j'ai pas envie qu'elle... J'ai pas envie qu'elle me dérange, cette dame ! Réveillons. Encore les chats. Oh. Ça ronronne fort. Allô, Omora. Ok, alors du coup maintenant on va remettre un autre point de passage. Merci monsieur Captain pour le 9e mois. Bah du coup on va le mettre là. En temps normal, j'aime bien le blabla, mais là, j'avoue que je me languis un peu de finir le jeu. Enfin, de finir... Oh, shit. De finir la quête principale, à minima. Et donc, c'est vrai que... Je suis un petit peu moins attentive au reste. Alors, bon, visiblement, je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller en balai. Ce qui est un peu chiant. Genre ils m'ont pas vu. Ouf. Une créature, soit on la nourrit, soit elle nous nourrit. Je préfère la deuxième. Il est tout seul ? Si il est tout seul, je le tente. Ah, sur des murs, c'est... Du coup, sur un arbre, c'est vachement efficace, ça. C'est super efficace, Marie. Je mets autant de temps à les tuer, les trolls, ça devrait pas être si difficile en fait. Moi, étrangement, il me faut vraiment beaucoup de temps. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu bon. Il me faut vraiment du temps, genre. Ouais, je
talon en fait. Bah, je suis restée droit sur son chemin aussi. Un peu folle la dame. En fait c'est pénible parce que je suis toujours pas 30 d'XP là, donc je suis toujours pas niveau 30. Tu m'étonnes que je me fasse rouler dessus comme une merde. Allô, Mora. Une nouvelle maison à explorer. Ouf, pardon les amis, je suis un peu fatiguée là. Ouais, mais entre Narc, t'es le seul gars qui lit les fiches. Je le dis, hein. Parce que je t'aime bien, je te le dis, hein. De suivre tout ce qui est nouveau. Bonjour madame. Tout va bien ? Depuis que Rococo s'est enfui, je Rococo. Suis inquiète. C'est mon nifleur de compagnie. Oh. Ce n'est pas bien grave alors, ce n'est qu'un nifleur. Pour certains, il ne s'agit que d'un nifleur, mais pour moi, il est spécial. C'est un excellent compagnon, je l'ai depuis des années. Pendant notre balade quotidienne l'autre jour au sud d'ici, on est tombé sur ça pour qu'elle la me demande pas de l'aider en fait et elle apparemment elle sort les rames comme ça. Une recluse paranoïaque. Elle a rempli son château de pièges pour empêcher d'éventuels voleurs de lui dérober ses biens. Alors qu'on s'en approchait, le soleil a fait briller un objet à travers une fenêtre. Et avant que je puisse réagir, dis-moi pour le troll, Antoinette. Je me fais un sang d'encre. Mais je ne m'approcherai pas de cette maison. Et encore moins des serpents cendres qui rôdent dans les parages. Je vais essayer de retrouver Rococo. Oh, c'est vraiment très gentil. Mais ne vous approchez pas de la cachette, c'est trop dangereux. La personne qui le trouvera dans la cachette sera bien récompensée. Mmh. Et les trésors d'Henrietta seront à sa disposition. Cela ne devrait pas la déranger. Qu'avez-vous merci à le vendre. Sang de la veine. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Allez, ça, ça dégage. Excellent. Cette cachette m'intrigue. Je devrais peut-être enquêter et voir si je trouve Rococo. Vos emplacements d'équipement sont pleins. Attends, excusez-moi. Ah ! Mais quelle conne ! On n'a jamais assez de produits à vendre. C'est ce que je dis toujours. Je crois que là, les 6 heures de route aujourd'hui commencent à vraiment me taper sur le système là. Waouh ! C'est dur là, vous avez le droit de m'insulter là. Ah ouais, en fait j'ai fait 3 heures de route ce matin pour aller à Paris, plus 3 heures, plus un tournage à midi, plus 3 heures de route pour rentrer, et là ça fait 3 heures que je live.
Donc ouais, je suis un peu déglinguée. Merci pour votre visite. Voilà, j'en viens. Allô, Omora. Non, demain je travaille. Et après le live là, il faut que j'aille finir mes journées sur WoW. Que je prenne ma douche accessoirement. Ouais, pas mal. Oh, je sais pas si c'est du courage. C'est mon travail, quoi. Mais le truc, c'est que là, j'en suis à un moment du jeu où je sais pas exactement. C'est un jeu de Merlin. C'est beau. Je sais pas exactement où j'en suis au niveau du gameplay. Je sais pas réellement combien de temps il va me rester avant de finir la quête principale. Et généralement, quand c'est comme ça. On va commencer par celui-là d'abord. Et donc du coup je sais pas si je m'arrête maintenant ou genre si je refais un petit live demain pour finir ou si je peux terminer ce soir ou pas, en fait c'est juste là. Je me rends pas trop compte. Ah ok, merci entrepreneur. Bah voilà, c'était tout ce que je voulais savoir. Vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrok. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Top. Merci de cette information cruciale. Moi, ce que je voulais... Et le petit... Ah, mais de toute façon, je dois rester là, en fait. Cet endroit aurait besoin d'un peu d'entretien. Examinons les alentours. Rébellion. Expelliarmus. Bombarda. Lucido. Incendio. Après les avoir tous faits... Est-ce un... Mais oui, je crois savoir ce qu'il faut faire. Dis-moi tout, papy. Vous reconnaissez cette tête sculptée? C'est une tête? Alors je ne sais pas. Abuse pas. Cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grabkorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grabkorn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre. C'est donc cela que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures? Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grabkorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Bon,
c'est sur cette transition toute trouvée, les amis, que je vais vous laisser pour ce soir. Parce que, comme je vous le disais, la journée a été longue et j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Quel jour on est demain ? En vrai de vrai, on peut continuer demain soir si vous voulez. Demain, on peut continuer le jeu si vous le souhaitez. Demain soir, vers 18h, je pense. 18h. 18h, ça pourrait être pas mal. 18h30, peut-être. Pour se laisser un peu de marge. Comme ça, je couperai plus tôt. Du coup, les amis, rendez-vous demain, 18h30, pour la suite. N'oubliez pas d'aller nous rejoindre sur le Discord et d'aller regarder les replays, les amis. Merci à tous pour cette petite soirée ensemble. C'était, ma foi, très sympathique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Et je vous dis, à demain. Salut !